C'est du café? Nespresso. Quoi d'autre? Oui, Bruno, c'est clair maintenant, là, à travers ces deux jugements que je vous montre à l'écran, que la vente de sirop d'érable au pays et à l'étranger, ça doit passer par la Fédération des producteurs acéricoles, donc l'UPA. Déception. La bière appartenant à Roland Champagne et Mme Angèle Grenier aussi, qui exploite une érablière à Sainte-Clotilde en Beauce. Entre autres, Mme Grenier avait choisi de vendre ses produits en baril elle-même dans les Maritimes. Elle contestait les pouvoirs de la Fédération. Le jugement de la Cour d'appel est clair. Elle est déçue. Sa liberté est brimée, dit-elle. Les industries sont